Voilà les amis, avec ce que je partage avec vous aujourd'hui, vous allez capter pourquoi j'ai dit que c'est le film du peuple, par le peuple, pour le peuple. Oma, les portes de la mémoire. Aujourd'hui, nous sommes Qui Neuf, lune rouge solaire. Et le poème galactique d'aujourd'hui, c'est « Je pulse afin de purifier. En réalisant le flux, je scelle le processus de l'eau universelle. Avec la tonalité solaire de l'intention, je suis guidée par le pouvoir de la force de vie. » Oh waouh! Regardez qui c'est qui vient nous voir. Je crois que le projet les intéresse. Salut les beautés. Le cheval, cœur en avant. Ah, est-ce que je les cache? Ouais, et voilà, on va le faire avec eux. Donc, j'en profite aujourd'hui pour vous annoncer que le tournage du film Oma, les portes de la mémoire commence cet été et exactement le 26 juillet 2020. Nous serons un jour tempête bleue lunaire, guidée par le singe bleu lunaire. Donc l'idée est arrivée ce matin dans ma méditation. Donc vous participez. On est d'accord, c'est le film du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc on le fait tous ensemble. Et l'idée en fait, c'est que ce jour-là, on se donne rendez-vous, tous autant que nous sommes, tous ceux qui sont au courant, et tous ceux à qui l'idée fait vibrer, on se donne en courant, on se donne rendez-vous sur les plages, au bord des rivières, près des lacs, et tous ensemble, on fait une prière pour l'eau. Ah, il y a mes voisines qui passent. Elles sont habillées en rouge, c'est synchrone. Elles ne sont pas au courant, mais elles sont synchrones en rouge, lune rouge. Bonjour. Donc, ce jour-là, 26 juillet 2020, on se retrouve tous et on fait une bénédiction de l'eau. Alors, toi qui vois cette vidéo, donc tu participes, tu peux commencer à participer en envoyant à qui bon te semble l'information, sachant que ce qui va se passer sera filmé. Alors évidemment, il y a toutes les personnes qui ont envie de chanter, de danser au bord de l'eau, de mettre ses mains dans l'eau avec le cœur vibrant de gratitude, peut-être même en demandant pardon. Je pense qu'on peut le faire, ce ne serait pas de trop. Et puis, partager l'info. Parce que bien évidemment, si on filme ça aux quatre coins de la planète, de ci, de là, avec plein d'amis, plein de belles personnes rayonnantes, chantantes et dansantes, ça n'a pas la même tronche que si je le fais avec mes copines sur une plage de Vendée, d'accord? Donc cette scène-là, ce qu'on va tourner tous ensemble, dégainer vos téléphones, les amis qui ont des drones qui peuvent prendre des jolies vues de dessus, voilà, tout le monde est convié, avec ses caméras, ses téléphones, ses amis, les enfants, les anciens, tout le monde, voilà, et on se prend en image. Et tout ça, ça fera partie d'une scène qui se passe à la fin du XVIe siècle. Je vous raconterai dans une autre vidéo pourquoi à la fin du XVIe siècle. Il y a du sens, ça a un sens très important. Donc, à la fin du XVIe siècle, où des gens découvrent des images du futur. C'est-à-dire que ce qu'on va tourner ensemble le 26 juillet 2020, en fait, ce sont des images que des gens du passé, du XVIe siècle, vont regarder comme faisant partie de leur futur. Et leur futur, c'est nous aujourd'hui. Vous voyez l'idée? C'est le projet de la nouvelle Terre, qu'on manifeste tous ensemble et qu'on rend visible. Et on fait rentrer
comment dire, c'est ce projet qui rend visible la grande histoire à laquelle nous participons tous. Donc voilà, pour l'idée d'aujourd'hui. Donc le tournage commence donc maintenant. Donc, pour que cette vidéo se balade et que le plus de monde soit au courant, s'il te plaît, mon ami co-créateur de ce film grandiose, qui nous concerne tous, eh bien, mets des pouces sur cette vidéo et partage. Parce que si tu ne le fais pas, ben la vidéo, qui c'est qui va la voir? C'est juste mes copains et mes copines qui regardent les vidéos. Donc aujourd'hui, on est quoi? Avec les copains et les copines. Je ne sais pas combien on est. On est magnifique, on est très vibrant, mais ça peut s'agrandir, d'accord? Donc tu mets le pouce, tu commentes, et comme ça la vidéo se promène et elle a des chances de rencontrer quelqu'un qui va dire « Waouh, wow, mais grave je participe, mais c'est de moi dont il est question, mais c'est tout moi, mais moi je l'aime l'eau, et moi je veux voir arriver la nouvelle terre, et bien sûr je participe de tout mon être, parce qu'il n'y a rien de moins important. » Voilà. Le 26 juillet, c'est aussi un hommage à Masaru Emoto. J'en profite aujourd'hui en lune rouge solaire pour faire cet hommage à Masaru Emoto, le messager de l'eau, chien blanc cristal, le pouvoir du cœur en coopération. Alors merci Masaru, merci à tout le monde et on est ensemble, on avance et c'est parti! Un hélicoptère. Il a entendu l'appel, il vient voir ce qui se trame. Eh oui, hélicoptère! Ça surveille, ça surveille. C'est la gendarmerie. Ah non, c'est l'armée. Oh, wow. Il se passe des trucs, donc on est tous ensemble. On lève une armée, c'est nous l'armée. C'est nous l'armée victorieuse. Vous êtes au courant, j'espère. Donc, passons la bonne nouvelle, du mieux qu'on peut. La victoire, c'est nous. Eh bien sûr, c'est le peuple. Voilà, in la cache, on continue, je vous embrasse. À très vite, les amis.